chers citoyens bien-aimés de cette concession, le temps est venu pour moi de vous présenter l'héritière du trône, la reine de cette concession, Son Altesse Royale, Sa Majesté, la Gum Gum Gam Gam, la Goudou Goudou Badak Bada, la première dame de cette concession. Et par là, je veux dire ma sœur. Koi Koi. Donc, je veux prier mademoiselle Koi Koi de venir à l'extrade et parler à ses citoyens. Mademoiselle Koi Koi, acclamez pendant qu'elle vient. Hey, acclamez, acclamez, acclamez. Acclamez pendant qu'elle vient. Votre Altesse, on applaudit, on applaudit, on applaudit. Pourquoi est-ce que tu veux m'embarrasser? Tu m'as appelé ici pour que je vienne parler à quel genre? Tes locataires, ça. Et quel genre de honte, ça? Donc tu m'as amené ici dehors pour venir me faire honte? Hein? Comment ça? Ce n'était pas ça le plan? Y a-t-il quelque chose que j'ai raté? Si tu as raté un truc, si je dis que un imbécile est mieux que toi, tu vas dire que je ne sais pas ce que je dis. Non! Reprends, reprends-moi! Tu veux dire que tu ne sais pas de quoi je parle? Le bon sens ne t'a pas dit que... Comme tu n'as pas vu un pupitre à ma taille? Le bon sens ne t'a pas suggéré de prendre un bain ou autre chose pour que je monte sur ça? C'est encore quel genre de honte, ça? Ne te fâche pas, Majesté, ne te fâche pas. Je t'en supplie, je vais chercher un banc. Ou un tabouret, je t'en prie, juste une minute. Ok. Pousse ça. Ne te fâche pas. Tout. Merci. Wow. Je vais aller droit au but, hein? Je vous souhaite la bienvenue. Pour ce grand jour, pour cette grande réunion que j'ai convoquée. Et je vous souhaite à tous la bienvenue. Comme vous voyez là, cette réunion a pour thème le pouvoir a changé. A changé de main. Bam, tu connais. Et le pouvoir merci, a changé. Merci, mon frère. Le pouvoir a changé de main. Je voudrais aussi passer le merci à tous. Comme vous le savez tous, mon père a passé là à ma gauche. Il est mort. Il est parti. Et vous savez aussi que c'est moi qui... c'est moi l'héritière. Donc, je voudrais dire que, comme on a déjà fait l'enterrement, je voudrais remercier tous ceux qui ont eu le cœur tendre et ont donné de l'argent. Et aussi ceux d'entre vous qui n'ont rien donné, rien du tout, même pas un naira. La seule chose que je peux vous dire, c'est qu'on va voir. Oui! On va voir! Donc, comme vous voyez maintenant, comme je vous parle là, c'est moi qui suis l'héritière de cette concession, de tous ces meubles et de ces maisons. Vous savez, en tant que tout premier, enfant de mon papa. Vous voyez? C'est moi le premier enfant. Tout ce qui est ici, c'est pour moi. N'est-ce pas? Vérité. Et le nouveau... Le nouveau quoi? Le nouveau gouvernement. Le nouveau aïe, gouvernement. Aïe. Tu vas régner longtemps, ma sœur. Acclamez. 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 Acclamez tout le monde. Donc, allez. La concession m'appartient à moi. Je suis quoi? Le nouveau gouvernement. Wow. Le nouveau gouvernement. Tu vas régner longtemps, ma sœur. Merci, mon petit frère d'amour. C'est toi qui connais. Merci. Merci, l'enfant de mon père. Donc, j'ai ce qu'on appelle le nouveau règlement. Le nouveau règlement.
Règlement. Et pour ceux qui sont allés à l'école, ils comprennent ce mot règlement. Pour ceux qui ne sont pas allés à l'école, c'est en fait l'ordre. La façon dont les choses vont marcher, la façon dont les choses vont se passer dans cette concession. Oubliez très vite comment mon père gérait dans l'ancienne époque, avec l'ancienne façon. Moi, je suis la nouvelle génération. Donc, vous devez obéir aux lois et aux règlements de cette concession. Et si vous voulez désobéir, quand vous êtes dans cette concession, vous refusez de payer le loyer. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire quoi? Vous dégagez. Vous prenez vos choses et vous dégagez. Et si vous savez que vous allez m'obéir, vous faites quoi? Vous restez. Vous restez et vous m'obéissez. Donc, le pasteur est venu prendre le pupitre. Il est venu prendre et il n'a même pas demandé à Naira. Ça m'a surpris. Heureusement qu'il utilisait sa tête. Il a vraiment su comment se respecter. Il n'a pas demandé l'argent. Tu crois que toutes les offrandes qu'on donne à l'église chaque dimanche là, c'est pour rien? Ah, merci Dieu, il a utilisé son cul, Uyo. C'est la vérité. La baillerie. La guilgue. C'est Dieu qui nous a bénis. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. Tu as raison, c'est l'œuvre du Seigneur. Oui, parce que je ne comprends pas comment quelqu'un tombe malade, une petite maladie comme ça, et il meurt. Oui, quand j'étais tombé malade et que j'avais maigri comme ça, j'ai eu la typhoïde, j'ai eu la fièvre, j'ai eu l'ulcère à la main, j'ai eu l'abcès au pied. Je n'ai pas survécu. Hein? Tu vois, maintenant, une petite maladie comme ça, papa est mort. Mensonge. Dieu a juste utilisé ce prétexte pour l'écarter de notre chemin. Oui, parce que je ne crois pas que quelqu'un tombe juste un peu malade comme ça, une petite maladie comme ça, et il meurt. C'est du mensonge. C'était juste pour enlever ces vieilles imbéciles de notre chemin. Hein? Donc, tu n'enlèves que les imbéciles? Je te démonte. Donc, tu crois que ta vie sera meilleure que celle de papa? C'est ce que tu crois? Ah! Tu te trompes! Tu te trompes! Laisse-moi te dire ceci. Si Dieu ne tue que les personnes inutiles, ça veut dire que tu dois déjà te mettre dans la tête que tu ne vas pas vivre longtemps. Oui! Parce que ta stupidité dépasse tous les stupides. Ah ah. Ma sœur, pourquoi tu m'insultes comme ça? Pourquoi tu m'insultes comme ça? Je t'ai fait quoi? Quoi? Si ce n'était pas juste pour une chose, je t'aurais défié dans cette concession. Comment? Je t'aurais défié et j'aurais pris ta place dans cette concession. Mais il y a une seule chose qui te sauve. Après tout, je suis le premier... Non, le premier quoi? Parle! Le premier quoi? Je te pose la question, le premier quoi? Tu ne finis plus ta phrase? Tu ne veux plus dire le premier de quoi tu es, sale poltron. Pardon, va me chercher les cahiers des loyers. Tu veux faire l'élection dans cette concession? Tu penses qu'on est dans les partis politiques ici? Pardon, va vite me chercher les cahiers des loyers. Imbécile. N'importe quoi. Ah! J'ai attrapé. Celui-ci nous doit le loyer de 2 mois. Ah, non, non, c'est 4 mois. 4 mois? Exact. Qu'est-ce que tu vas faire? Augmente le loyer. Augmente de 4 000 à 8 000. Voilà, que ses yeux s'ouvrent. Écris maintenant, écris. Vas-y, écris maintenant. J'ai déjà écrit. Yeah! Il y a des gens. Jehovah Mekedeske. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Celui-là nous doit jusqu'à 6 mois. 6? 6 bons mois. Quoi? Carrément 6 mois. Hey! Ça, c'est grave. Attends, attends. Comment quelqu'un peut rester comme ça? Il est juste là-haut. Il vit dans la maison de quelqu'un, comme ça. Il ne paye pas jusqu'à 6 mois. Et sa conscience ne le dérange pas? Hey! Ah! On continue. Ah! Ok, celui-là est à jour. Il a sa chance. Celui-ci est à jour. Celui-ci est... Ah, 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 ah. Qu'est-ce que je vois comme ça? Et qu'est-ce que tu vois? Ah, ah. Qu'est-ce que papa faisait comme ça? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait quoi? Regarde, celui-ci, il a des arriérés d'un an. Toute une année entière, il n'a pas payé. Montre-moi. Regarde, là. Waouh. Qui est cette personne? Qui est cette personne qui nous doit presque un an?
Attends. Et papa ne s'est même jamais plaint de lui. Papa ne lui a jamais rien demandé. Regarde, il n'a rien payé. On est en mars, n'est-ce pas? Hmm? Depuis l'autre mars, jusqu'à maintenant, il n'a plus jamais payé de loyer. Wow. Ça ne fait pas déjà 15 mois, là? Hey! 15... Ça fait beaucoup d'argent. 15 mois? 15 mois? Hey! Cette personne est là tranquillement dans la concession. Cette personne, elle dort tranquillement chez elle. Regarde-toi-même ce que papa a fait. C'est pas croyable. On va trouver cette personne. Wow! Eh? On est où là? Attends, je fais les calculs. C'est beaucoup d'argent, hein? C'est beaucoup d'argent. Alors, ça fait combien? C'est quoi que tu fais au sol comme ça? Attends, j'essaye de me concentrer. C'est tout ça que je vais calculer, non? Je ne veux pas faire d'erreur. Je ne veux pas avoir de faux montants. Donc, quand tu calcules au sol comme ça, quand tu finis, tu auras la réponse. J'aurai ma réponse. Pardon, vas-y, calcule, parce que ma patience est déjà finie. Ma patience est finie. Je ne suis plus en paix là maintenant. Ah! Calcule, dis-moi la somme. Comment quelqu'un peut rester carrément 15 mois? C'est un orpheliné ici? Regarde dans toutes les pièces. On va trouver qui est cette personne. Comment une personne sensée peut faire des choses comme ça? C'est même qui? Ça peut être qui? Qui? Qui ça peut être? Dans cette concession? 60 000 naira. 60, je dis bien 60 000 naira. Qu'une personne de cette concession nous doit, et elle retient ça. La solution à nos problèmes, c'est ça qu'une personne jure qu'elle ne va pas nous donner. Hey! Ma sœur, tu parles même de 60 000 naira. Et ça, c'est juste le paiement initial. Hein? On n'a même pas encore ajouté le nouveau loyer que notre régime a décidé. Ce qui va arrondir ce montant pour environ 100 000 naira. Akpon, pardon. Doucement. Ne fais pas que mon cœur s'arrête. Eh? Non. Tu as dit que c'est encore combien? Combien? 100 000 naira. Hey! Il y a des gens dans ce monde. Il y a déjà... Akpon, mon cœur fait un bruit. J'ai mal à la tête. Va d'abord, toi. C'est mieux que je m'asseye, Les gens sont méchants dans ce monde. Les gens sont méchants. Ça va aller. Cette concession est un orphelinat? Hein? Est-ce que j'héberge les orphelins ici? Comment quelqu'un peut retenir 100 000 naira pendant plus d'une année dans cette concession? Il faisait ça à l'époque de l'ancien régime, le régime de mon papa. Je ne sais pas ce qu'il a fait à mon papa. Pourquoi mon papa ne prenne pas l'argent chez lui? Il veut continuer ça dans le nouveau régime. Il ment. Tu es un menteur. Tu mens. On doit lui reprendre cet argent. On doit évoluer. On va évoluer. On doit évoluer. Nous devons évoluer. On doit récupérer notre argent. Ça va, calme-toi. Essaye de te calmer. Calme-toi. Ma sœur, je ne comprends rien de ce que papa a écrit dans ce cahier. Ce n'est pas complet du tout, hein? Hein? Regarde le peu de gens enregistrés dans ce cahier, comparé à tout ce qui se trouve dans cette concession maintenant. Comment non? Attends, montre-moi. Hey! Toi-même, regarde. Attends, est-ce que tu connais la situation de ce gars? C'est lui-là? Je ne suis pas sûr. Je suis pas sûr. Ok, on va l'interroger. Tu m'as appelé? Pas d'énervement. Ça veut dire quoi, tu m'as appelé? Je ne comprends pas. Tu m'as dit qu'elle m'a appelé. Hein? Jehovah Mekedeske. Tu ne te gênes même pas d'ajouter les ingrédients qu'il y a sur son nom. Tu dis juste, elle m'a appelé. Ha! Ah, le respect, hein? Vraiment. Mon frère. Oh, c'est moi que tu appelles. Elle. Elle m'a dit. Eh, il n'y a pas de problème. Monsieur, tu nous dois. Tu nous dois 8 000. 8 000 pour payer le loyer de 2 mois. Oui, tu sais. Oui, tu sais. Bien! Oui, je sais. C'est bien de dire que tu le sais. Mm-hmm. Tu sais que tu dois l'argent du loyer. Cet endroit-ci ressemble à un orphelinat à tes mains. Je veux dire, à tes yeux. Cet endroit ressemble à un orphelinat à tes yeux. Quand tu venais habiter dans cette concession, tu avais dit à mon père que tu étais un orphelin. Mon ami, ton loyer, c'est 8 000.
que tu nous dois. Plus les amendes. Amende 4000 naira, ça fait 12 000. Plus 2000 naira. Les frais d'inscription. Les frais d'inscription. Oui. Ce qui fait un total de 14 000. C'est ça que tu nous dois. Je ne comprends pas ce que tu dis. Tu ne comprends pas ce qu'elle dit. Donc quand il s'agit des affaires d'argent, tu ne comprends plus ce qu'elle dit. N'est-ce pas? Mais si quelqu'un te voyait marcher ici, quand tu venais, les épaules gonflées comme ça, on dirait quelqu'un qui a l'abcès à l'aisselle. Comme King Kong. On croirait une personne qui est plein aux as. Tu blagues, hein? Bon, je sais que mon loyer, c'est 4000 naira par mois. Que je planifie payer pour 2 mois. Mais je ne peux pas payer 6000 naira. Dans ce genre de sale environnement. Et plus vos amendes et frais d'inscription inutiles là, c'est impossible. L'impossible, elle va te tuer là-bas. L'impossible, elle va te tuer là-bas. Tu vas prendre toutes tes affaires, grimpe sur le toit. Tu vas rester là-bas et planifier comment tu vas payer ton loyer. Mon frère, laisse-moi te dire. Quand je te regarde la tête jusqu'à tes pieds là, quand je te regarde là, dans les 50 années à venir, tu ne seras pas prêt. Tu n'auras même pas encore officié comment acheter un terrain, encore moins comment construire une maison. Il ose insulter la maison de mon père. Tu rejettes ça? Dieu m'en garde. Laisse-nous ça. Paye d'abord ton loyer et mon rejette ami, ça. Il n'y a rien que Dieu fera dans cette histoire. Oh. Tu vois? Tu t'es bien regardé. Ton futur est clair. Te voyant, il te sera difficile de construire une maison. Dieu t'en préserve. Il parle de maison mon comme ami, si... Écoute, si n'importe tu ne peux quoi. Pas te conformer aux nouvelles règles Bam. Du nouveau gouvernement, prends tes affaires et dégage. Dégage de cette maison. Que je parte? Oui. Que moi je parte? Oui, tu l'as entendu. Que je parte? Tu n'as pas entendu ce qu'il a dit? Okay. Tu dégages. Et si tu refuses de dégager, à bon coup, Kovasi va te chasser. Voilà ce qu'on va utiliser pour te chasser. Tu vas prendre tes bagages et tu vas partir. Ce n'est pas possible. Ça ne part. Une okay, simple maison, il est incapable de payer. Il insulte la maison de papa. Je veux te dire un truc. J'aurai la maison de papa. Je t'assure. C'est pas facile. Hey! Je te l'avais dit à l'époque, non? Tu disais que je mens. Maintenant, tu me crois. Maintenant, ce repas a ouvert tes yeux. Tu vois clair. Mon frère, c'est pas comme si c'est la nourriture qui ouvrait mes yeux. Tu te souviens de l'époque de papa? Quand on disait à papa qu'on veut l'argent pour la nourriture. Je n'ai pas. Donne l'argent pour ceci. Fim, je n'ai pas. Donne l'argent pour faire à manger. Je n'ai pas l'argent. Nos repas n'avaient jamais l'argent. Tu comprends? Mais imagine-toi. Imagine qu'un jour, tu es baillard. Regarde, non? Regarde le genre de nourriture qu'on mange. Regarde ce genre de nourriture. Tu vois? Regarde la nourriture. Tu aurais cru qu'on pourrait boire l'eau minérale. Qui aurait cru? Hey! Tu es vraiment trop bon. Sœurette, le temps de Dieu est le meilleur. Mon frère. Dieu sait ce qu'il fait. Dieu ne fait jamais d'erreur. Il ne fait jamais d'erreur. C'est lui le meilleur homme. C'est lui le meilleur. Je te le dis. Bahirès, c'est quelle bêtise que j'entends là. Éducation de basse. Elle n'attend même pas qu'on finisse d'abord de manger. Elle commence seulement... comme... une voiture sans frein. Hein? Ferme ton caniveau que tu appelles bouche. Tu entends ce qu'elle dit? Hein? Bayres, tu entends ce qu'elle dit? Calme-toi. Tu ne sais pas que ce n'est pas toutes les insultes qu'il faut repentre? Madame, je te pardonne pour toutes ces insultes que tu viens de dire. Mais je ne suis pas surprise. Parce que c'est évident que tu n'es pas du tout éduquée. Je te pardonne parce que... tu m'as appelé Bayres. C'est ce qui fait en sorte que je laisse passer ça. Mais quand je vois ta vie là, elle n'a pas de sens. Parce que si ta vie n'était pas comme ça, tu n'allais pas dire toutes ces bêtises. Je m'en fous de ce que tu penses de moi. Le jour où ce sera le cas, tu sauras. Maintenant, c'est quoi cette histoire des frais d'inscription? Pourquoi 2000 naira pour... Ah ah! Maintenant c'est bon.
Donc c'est pour 2000 naira que tu viens ici pour nous déranger. Hein? Regardez-la. Je croyais que t'étais une fille bien. Hey! Quel genre même? Honte à toi. Madame, tu se fâches. Qu'est-ce que tu racontes là? Tu dis que tu racontes quelle bêtise? Vraie bêtise. Laisse-moi te poser une question. Si tu vas fréquenter une école, tu vas pas payer les frais? Tu ne vas pas payer les frais pour t'inscrire dans cette école? Hein? Je te repose la question. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on fait dans ce pays sans payer les frais? Quand tu veux le travail, que ce soit au privé ou au gouvernement, tu vas payer. Tu vas dans une école, tu vas pour... C'est ça. Pour t'inscrire, tu vas payer les frais. Même quand c'est ta propre voiture que tu as achetée. Tu conduis jusqu'à la police vient t'arrêter. Tu vas payer les frais, non? Donc moi je dis que... En tant que nouvelle bailleresse que je suis, il doit avoir des frais d'inscription pour les locataires. Donc, madame qui se fâche, si tu ne veux pas tout simplement payer les frais d'inscription, tu n'apprends tes choses et partie de la concession. Oui. Oui. Si c'est ce qu'il faut faire, je le ferai. Dégage. Dégage. Et si tu ne veux pas dégager, on va te nous dégager. Nous allons te dégager. Regardez-la. Pauvre fille. Dégage, que les gens risquent. Les gens qui passaient tout le temps à tromper mon père pour qu'il ne prenne pas l'argent du loyer. Dégage, pour que les gens qui ont l'argent entrent. Regarde-moi les bêtises comme ça. Regarde-moi la sorcellerie. Une vraie sorcière. Hey, j'ai oublié de me dire qu'il y avait trop de piments ici. Je croyais que ce n'était pas bon. Qu'est-ce que c'est passé? Elle arrive chez toi. C'est qui? Koui Koui. Koui Koui? Oui. Ah ah! Qu'est-ce qu'elle est venue faire ici? Elle est venue prendre la viande. Ah ah! Cette femme aussi, tout le temps, elle vient sur mon comptoir prendre la viande, mais elle ne me paye jamais. Hein? Écoute, voici ce qu'on va faire. Hein? Je vais me cacher quelque part pendant quelques minutes. Hein? Si elle demande où je suis, dis-lui que je suis allé prendre quelque chose. Est-ce que tu m'as compris? Ok, gentille fille. Vite, vite. Okay. Elle arrive. Ce que tu me dis là, vraiment? Je ne suis pas sûr que c'est vrai. Parce que j'ai comme l'impression que tu veux jouer avec mon cerveau. Comment je peux prendre ton cerveau et jouer avec? C'est moi qui ai lancé mon ami, à qui le gouvernement a donné sa propre voiture. C'est ce qu'on appelle les bourses gouvernementales. Si tu veux, on part maintenant. Je vais l'appeler. Tu vas voir que je t'ai dit la vérité. Ok, c'est bon. Combien je vais payer? Tu vas payer 2000 naira par semaine. En un mois, ça sera 16 000. Mais c'est en un an que tu vas payer, hein. Si c'est une maison que tu veux, tu vas payer 5000 naira par semaine pendant un an. Le choix te revient. Jehovah Mekedeske. La voiture, la maison. La voiture, la maison, la voiture, la maison. Je choisis la voiture. Oui, j'ai déjà un château. Oui, j'ai déjà un château. Je choisis la voiture. Mais quelle est la voiture qu'on va me donner? N'importe quelle voiture tu voudras. Hein? C'est ce qu'on va te donner. Si tu veux une Rolls Royce, tu l'auras. Tu vois pas que mes habits sont de grandes marques? Mon frère, je vois la marque. Oh, regarde tes cheveux comme ça brille. Tes chaussures de marque. Tu es très mignon. Mais quelque chose m'embrouille un peu. Si c'est en 2000 que je vais payer pour acheter la voiture, bah. C'est pour ça que ce sont les bourses gouvernementales. Tout l'argent que tu vas collecter me donner. Hein? Le jour où ça sera complet, le gouvernement va ajouter sa part et mélanger. Prendre une voiture et te donner. Tu sais qu'en tant que le frère de la bailleresse, une voiture qu'il te faut. Juste comme ça. Et c'est tout. Juste comme ça? Hey! Mais je vais conduire jusqu'à fatiguer. Ah. Oui. C'est ça que tu dis doucement. J'évolue. Parce que si je conduis une voiture, si je te vois, je balance la poussière. Je vais même te verser de l'eau juste pour que tu saches que je suis dans la voiture. On évolue. Jehovah Mekedesk. Mais comment? Fais que je commence très vite le paiement. Apporte le cahier. Maintenant, le premier versement. Je commence tout de suite. Vas-y, je t'attends. Du calme. Vas-y, je t'attends. Le premier versement. J'arrive.
Dix, tu es rentré? Quoi, je... Rectificatif. Monsieur Dixon, ou peu importe comment on t'appelle. Son nom, c'est Bayres. Tu ferais mieux de corriger ça maintenant, sinon... Je vais enlever S-O-N de ton nom et tu sais ce que ça deviendra. Bayres. Maintenant, tu parles bien. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu fronces le visage comme un vieillard tout le temps? J'ai appris que tu es venu sur mon comptoir et tu as pris de la viande pour 3000 naira. Mais tu n'as pas payé. Pourquoi? Et en plus, qui te donne l'autorisation de venir sur mon comptoir prendre de la viande sans permission? Oh, wow! Anogo Bege. Écoute, oh. Tu entends ce que j'entends là? Tu as déjà vu un chien aboyer? Hein? Parce que soi-disant, je suis allée prendre la viande pour 3000 naira. Une simple viande. C'est ça qui lui fait mal comme ça. Tu vois ta vie? Et quand je regarde bien ta vie, je me rends compte du fait que ton nom là est bizarre. Oui. Vraiment, tu m'as vu et tu as pris la fuite. Tu as abandonné ton comptoir, Abby? Moi? Fuir? Oui! Tu as fui. Ne joue pas à lui dire. Tu as fui en laissant ton comptoir. Le jour arrive, oh Dieu, va vraiment te punir. J'ai bien pris la viande. J'ai même gardé l'argent que je devais payer. Hmm? J'avais l'argent sur moi. J'avais de l'argent pour lui payer. J'avais l'argent sur moi. Mais dès qu'il m'a vu, il a pris la fuite. Mais ce gars qui est devant nous, là, il nous doit, n'est-ce pas? Oui, non. Et alors, c'est pour ça qu'elle doit couper ma viande? Mon ami, elle était dans le coup de toi. Si elle me frappait pour qu'on voit. Tu nous dois. Tu nous dois beaucoup de moi. Plus les nouveaux frais de logement. Et les frais d'inscription. 2000. Ce qui fait 8000 naira. Maintenant, si tu enlèves 3000 naira dans 8000, il n'en reste pas 5000. Et il nous doit même encore. Tu nous dois encore. Écoute, il reste là à bavader si n'importe quoi. Tu ne pas le reste. Tu dégages. Oui. Tu ranges tes affaires et tu dégages. Il dégage. C'est moi la bailleresse. Dégage. Et si tu ne veux pas partir? On va te dégager. On est où là? Continuons nos choses, Pico. Vas-y. Hé, hey, c'est comment? Tu veux me tuer? Jehovah Mekedeske. Quelle belle matinée. Bayres. Bonjour. Comment tu as la face comme ça, comme quelqu'un qui a de la fièvre? Trop tôt pour tes stupidités. C'est vraiment très tôt. Biko. Mais qu'est-ce que j'ai fait ce matin? Pourquoi est-ce que tu m'attaques? Tu m'attaques comment comme ça ce matin? Comment tu sauras ce que tu as fait? Comment tu vas savoir? Tu viens juste de sortir de la chambre. Maintenant. Tu vois comment je suis assise, en train de réfléchir. Tu ne me demandes pas ce qui se passe. Les seules choses qui peuvent sortir de ta bouche, c'est tes bêtises. Tu oses dire que j'ai la fièvre. Idiot. Pardon. Pardon, mon nez. Qu'est-ce qui se passe? Ok, dis-moi, qu'est-ce qui ne va pas? J'étais dans mon rêve. Oh. J'étais dans mon rêve, ma chose. Voilà Soshi. Qui vient me poursuivre? Elle m'a fouetté. Soshi? Notre locataire? Oui, non. Soshi, notre locataire, celle-là, celle qui vit ici maintenant. J'ai mal, hein? Ah! Si tu voyais ce que la fille-là m'a fait dans les rêves! J'ai couru! Elle m'a poursuivi! Je l'ai même supplié! Je l'ai supplié! Et un temps là, je suis tombée! Elle m'a fouetté! Ah. Fouetté! Ah. Je lui ai fait quoi, non? Hey. Qu'est-ce que je lui ai fait? Ah. Soti a eu le culot! Ah. Non seulement elle t'a poursuivi! Même quand tu es tombé au sol, elle a continué à te fouetter comme ça? Oui! Dans cette concession, je ne peux pas l'accepter.
Je ne vais pas l'admettre. Sochi, tu me tentes, hein? Tu veux me tenter, madame? Ah, ah, elle est là-bas, Yerès. Tu ne le sais pas? C'est quoi? Ça veut dire quoi, ça? Tu parles seulement. Hey, tu n'entends pas sa voix là-bas? Elle est en train de rire avec les autres filles. Moi que tu vois là, je n'ai aucun problème avec elle. Elle et moi, on ne s'est jamais querellés. Seulement une seule fois que je l'ai insultée. Elle a eu le culot de venir me fouetter. Bayerès, je ne peux pas digérer ça. C'est même quoi ça? Hein? Écoute, la seule chance qu'elle a dans sa misérable vie, c'est qu'il n'y a pas de marque sur ton corps. Sinon, ce que j'allais montrer à cette fille. T'inquiète, ce n'est pas fini. Hein. Je vais lui montrer le feu. Mm-hmm. Je vais lui montrer. Hey! Sochi, dans cette concession. Oui! Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, on va voir. Sochi, viens ici! Sochi! Ramène-toi ici! Je viens d'entrer chez toi, je t'ai vu. Sors ici! Sors! Sors! Nous savons tous que tu es là. Tu es là, je le sais. N'importe quoi. Parce que tu te prends pour la reine. Voilà, regarde. Oh, tu daignes enfin sortir, hein? Bayerès, bonjour. Hé, Mbambambamba, garde tes salutations pour toi. Comment oses-tu? Qui est-il? Tu demandes à qui qu'est-ce qui se passe? Comment tu peux demander ce qui se passe? Donc après tout ce que tu as fini de faire là, tu viens demander ici qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ça va chier. Quand tu as fini de me fouetter fatiguée. Regardez-la, elle fait semblant. Une comédienne. Comme si elle ne sait pas ce qu'elle a fait. Oui. Après avoir fouetté ma sœur, ta Bayerès, tu la fouettes dans les rêves. Tu l'as fouettée, fatiguée. Elle est même tombée, tu n'as pas arrêté. Comment oses-tu? Écoute, je vais te dire là maintenant. La seule chance que tu as là maintenant, c'est qu'il n'y a pas de marque sur son corps. J'allais te montrer qui je suis, moi, à Bronco. Hé, attends. Si je comprends bien. Tu dis que j'ai fouetté la Bayerès dans ses rêves. C'est pourquoi tu es ici à aboyer sur moi comme un chien fou. Hé, eh? Tu es malade? Hé, eh? Tu as entendu? Comment elle m'a appelé? Eh? Moi, un chien? Comment ouais, je te dis, elle est trop insolente. Aujourd'hui, mal éduquée. Hein, je vais te montrer comment les chiens fous agissent. Tu oui. sais quoi? Je vais te gifler. Vam, vam, vam. Vois-tu, tu ne me regardez connais pas bien. Font, oh, on ne parle plus. Gifle-la seulement. Allez, non, je vais la gifler. Il faut me venger. Il y a les gens ici qui me dérangent. Qu'est-ce que tu appelles? Que cette personne vienne, je vais la battre comme un serpent ici. Mm-hmm. Tu me connais? Rien ne va. Tu me connais? C'est pour cela que je t'appelle. Ma Bayerès est ici avec son frère pour me tabasser. Oui, il paraît que la Bayerès m'a vue dans son rêve en train de la tabasser. Maintenant, ils sont venus pour me tabasser aussi. Oui, à Punku. Hé, hey, Mbamba, ne prononce pas mon nom une fois de plus. Plus jamais. Ok, laisse-moi, je vais lui passer le téléphone. Pourquoi? Ah, tiens. Pourquoi? Tu veux me supplier? Attends, je te dis, personne ne me supplie. Je ne reçois aucune excuse. Si c'est des excuses, je n'en veux pas. À Punku. Mais ça veut dire quoi, ça? Attends. Il est en train de dire ceci. Ok, d'accord. À Punku. Tu penses en anglais comme ça, tu es un homme? Ok. Vas-y, parle. Si tu es un vrai homme. Hein? Pardon? Tu n'es pas un homme? Allô? Mon ami, tu es malade? Hein? Tu es sûr que tu n'es pas fou? Oui, monsieur. Non, monsieur, non, monsieur, rien. Tu refuses de me parler. Est-ce que tu es normal? Non, je ne suis pas normal, c'est monsieur. C'est quoi ces oui, non, monsieur? Tu Est-ce parles donc de quoi comme ça? Je me coupais de parler à ma femme n'importe comment. Que je suis malade. Tu veux la battre avec un bâton? Monsieur, je suis malade, moi, la taper. Papa, Mba. Dieu merci. Allez, fais qui saute de grenouille, ça, idiot. Tu as dit 10 sauts de grenouille. Tu poses la question? Je vais le faire. Allez, monsieur. Fais ça tout de suite. Tonton, je vais le faire, calme-toi. Tout de suite même. Pardon. Pardon. Hein? C'est quoi? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Non. Il n'a pas encore commencé. J'ai commencé. Commencez quoi? Je commence maintenant. Tout de suite, voilà. Hé hey. Tu n'as rien vu encore. Feignant. Tu voudrais faire ta part? Bayerès, fais très attention avec moi. C'est comme si tu ne me connais pas bien. Fais attention tu avec moi. Tu es allé appeler ton sponsor. Malade. Sorcière, tu verras ma revanche. Il n'a rien vu. Je toi. Je ne comprends pas comment tu peux être de ma chair et de mon sang comme ça. Hein? Ah! Non! Je ne suis pas sûre que c'est mon papa et ma maman qui t'ont accouché, oh! Non! Ça ne peut pas être eux! Parce que ce qui vient de se passer là, la honte! Et la plus terrible honte de ma vie que j'ai eue! Ah ah! Pourquoi? Bam! Ce n'est pas possible. Sorette, tu parles comme ça parce que tu n'as pas entendu la voix de cet homme au téléphone. Tu devrais remercier Dieu pour moi, je t'assure, parce que je suis encore en vie.
Regarde seulement les sauts de grenouilles que j'ai faits. Si cet homme m'avait seulement giflé au téléphone... C'est mon enterrement que tu serais en train d'organiser maintenant. Imbécile! Idiot! Idiot! C'est moi la bailleresse dans cette concession! Personne ne peut me tenter ici, personne! Qu'ils m'essayent un peu, ils me coûteront! Mince! Aucune idée! Lève-toi, 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 lève-toi! Sois un homme! Sois un homme! Je me sens pas bien. Kia! Lève-toi, j'ai des questions importantes à te poser. Qu'est-ce que c'est? Viens, viens là. La fille-là, elle nous doit. Cette fille-là, j'ai regardé son dossier. Elle ne nous doit rien du tout. Elle est totalement à jour. Comme tu vois là, elle a tout payé en avance, donc c'est nous qui lui devons. C'est comme je t'ai dit là. Oh, 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 oh! C'est pour ça qu'elle joue les bosses? Jusqu'à elle ose nous narguer. Abby? Comme tu vois là maintenant, comme tu vois là, la guerre est déjà déclenchée. Bam! Elle nous a déjà déclaré la guerre. Bon, on ne sait pas qui est ce locataire qui nous doit encore beaucoup d'argent. Ok, maintenant là. Waouh. On va voir qui est qui ici. On verra bientôt qui est qui. Ma sœur. Il y a quoi? S'il te plaît, va me faire du thé que je boive. Que le tonnerre te frappe. Que la foudre s'abatte sur toi. Oh, que cette tête te tue! Une simple vengeance de moi, pour moi! Une simple vengeance pour moi! Tu n'arrives pas! Tu n'arrives pas à être un homme incapable de menacer quelqu'un! Tu veux que je te fasse du thé? Non, c'est la colère que tu auras! Je vais t'acheter la cola amère! Sœurette, tu... Mon ami... Pardon, j'espère que tu enregistres vraiment tous mes paiements. Je les enregistre, non? Voilà, je t'en prie, parce que je ne voudrais pas d'histoire quand je voudrais ma voiture. J'ai même déjà fait en sorte que ton nom soit très avancé. Hein? Ton nom est déjà dans la première liste des personnes à qui on va donner les voitures. Tu es sérieux? Ouais. Hein? Mon pote. Ouais. Mon gars sûr. T'es mon pote, non? Sûr. Mon pote. Alors dis-moi, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Allez, dis-moi, je veux juste faire un truc pour toi. Non, je fais ça simplement parce que t'es mon pote. Je le fais pour Dieu et pour la mort de l'humanité. Tu sais que tu es mon pote. Mon pote, non, dis-moi, je veux juste faire un ou deux trucs pour toi. Tu vois, mais c'est parce que tu me forces, hein. Bon, tu sais que j'ai pas encore payé le loyer. Hein? J'ai des aérés depuis 3 mois. Je me demandais si tu pouvais m'aider à écrire que j'ai déjà payé depuis. Hein? C'est tout. Seulement ça? Ouais, c'est tout. Seulement ça? Ah, regarde. Oh, mon téléphone s'est éteint. J'allais te montrer ton nom sur la liste. Ton nom est déjà numéro 2. Seigneur! Tu es sûr que c'est tout ce que tu voudrais que je fasse? Comme je te le dis là, je t'assure. Mon frère, après cette affaire, tu ne payeras plus de loyer. Je vais te laisser pour tout. Je vais te laisser pour toute cette année. Toute cette année? Comme je t'ai dit. Le mois prochain, t'auras ta voiture. On est ici ensemble, non? Mon pote. Tu vas voir. Mon pote. T'inquiète. T'es mon pote. Je ferai même encore plus. T'es mon pote. T'es mon pote. Non, l'histoire est sérieuse. Je ne comprends pas. Comment? L'argent que j'ai gardé derrière la porte des toilettes. C'est passé où? Ou bien... Non, moi je suis sûre. Ah! Les gens m'ont demandé qu'est-ce qui me fait briller. Je leur ai répondu. Je danse. Je suis sûr. Si tu chantes encore cette chanson jusqu'ici, tu iras voir Dieu aujourd'hui. Hein? Où est l'argent que j'ai gardé derrière la porte des toilettes? Non, ne me regarde pas comme ça.
Et sache que si tu veux me mentir, genre tu veux me mentir à moi, n'essaye pas. Fais juste droit au but. Où est l'argent? Parce qu'il n'y a que toi et moi qui utilisons ces toilettes. Hey! Ma sœur Koi Koi, je ne sais pas de quoi tu parles. Donc, c'est arrivé au point où tu caches de l'argent dans cette maison. Toi et moi, on est là. Tu caches l'argent. Jehovah Mekedeske. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu essayes de dire maintenant? Tu essayes de dire que ce n'est pas toi qui as pris l'argent? Hein? Je t'ai dit ce que je t'ai dit. Je ne sais pas de quoi tu parles. Je n'ai vu aucun argent. Et ça, c'est ton problème. En ce qui me concerne, j'ai des problèmes pressants. Je danse. Je leur ai répondu, c'est le Seigneur qui me fait briller. Je danse. Attends. Tu veux dire que... Madame, bravo. Je t'ai dit bravo, non? Écoute, hein, laisse-moi te dire. Aucune âme, la Bible dit. Toute âme forgée contre moi sera sans effet. Tu vois ce combat que tu as commencé contre moi? Quand je vais te reprendre, je verrai si ton petit sponsor là pourra t'aider. Garde ton silence et tourne-moi bien l'au-delà, sans problème. Quand je vais te reprendre, tu vas savoir. Je n'ai pas besoin de faire des bruits, hein? Attends-moi, j'arrive. Attends-moi bien là-bas, tu vas voir. Tu vas me sentir. Ah, ah. C'est la maison de la personne. Tu es sûr que c'est à cet endroit? Ça ne ressemble pas du tout à une maison de marabout. Je suis dépassée, oh. Mais crie, demande qui est là. Que je crie qui est là? Tu veux dire quoi d'autre? Y a quelqu'un? Tu te mets devant comme ça et tu cries, qui est là? Eh oh! Toi, tu te places seulement ici. Tu as peur. Moi, peur? Qui est là? Quelqu'un? Eh oh! Mets-toi devant comme ça. C'est quoi ça? Mets-toi devant. Pourquoi vous criez? Ah ah. Hein? Pourquoi vous criez? Pourquoi vous perturbez ma tranquillité? Seigneur. Viens. Est-ce que tu as vu ce que j'ai vu? Hey. Ce type ne ressemble pas du tout à un marabout. T'as vu son habillement? T'as vu sa tête? Il a une boucle à l'oreille. Il a dessiné un truc sur sa main, un tatouage. Je te dis. Il a des chaussures, des tennis. Il a un téléphone. Écoute, tu sais quoi? Depuis que je suis né, je sais que c'est au village ou en brousse que les marabouts restent. Oui, c'est vrai. Et c'est lui qu'on a là. Il vit dans une maison et il loue un appart pour ses fétiches. Si tu écoutes mon conseil maintenant, pardon, laissons tomber et partons d'ici. Hein? Oui! Hein? Je t'ai entendu, oh. Pardon, ferme la bouche là. Tu sais, personnellement, que je comprends très bien ta stupidité. Parce que parfois, hein, tu raisonnes un peu. Parfois, même pas du tout. Mais ici là, ne me dis pas de partir. Ce n'est pas toi qu'on a fouetté dans les rêves. C'est cette bastonnade que j'ai subie. Ce n'est pas toi qui l'as subie. Si tu ne veux pas rester ici avec moi, tu pars. Te voilà qui parle, hein. Parce que je vais te laisser partir d'ici. Je ne comprends pas qui est cet homme-là. Je ne comprends pas, je m'en vais. Je te laisse, je pars. Laisse-moi passer, tu veux. Assieds-toi. Ok. Ne fais pas attention, mon frère. Parfois, sa tête, son cerveau. Il se comporte comme quelqu'un qu'on a trempé son cerveau dans l'alcool. C'est moi qui veux vous voir. Pourquoi es-tu là? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-il parti? C'est moi qui ai un problème. C'est pas lui. Tu sais, comme tu me vois là, je suis une bailleresse. Mais certains de mes locataires ne m'écoutent pas du tout. Ils s'en fichent de ce que je dis. Ils ne m'obéissent pas. Ce qui m'énerve encore plus là, hein, c'est que l'un d'entre eux a osé venir me fouetter dans mes rêves. Me fouetter jusqu'à... Madame, pour résumer tout ce que vous venez de dire,
Vous voulez que je punisse la femme qui vous a fouetté dans votre rêve, n'est-ce pas? Oui. Et vous voulez que vos locataires vous écoutent? Oui, grand marabout. Ok. Bienvenue. Attendez que je calcule un truc. Ok. Votre facture s'élève à $50. Oui. $50? Oui. Comme ça, nous allons punir la personne qui vous a fouetté dans votre rêve. Donc, pour que vos locataires vous écoutent, c'est $35. Oga, tu as dit dollars. Ne vous en faites pas. Laissez-moi calculer un truc. Je vais convertir au taux de la banque aujourd'hui. $500, c'est ce que la banque change pour $1. Au marché noir, c'est 450. C'est ce que ça donne. Donc, ce que vous allez me donner, c'est 16 000 naira. Alors, si vous voulez qu'on punisse celle qui vous a fouetté dans les rêves, c'est 16 000 naira. Mais si vous voulez que je calcule le taux, votre facture s'élève à 39 100 naira. Aïe. Et moi, j'accepte les virements. J'accepte le cash. J'accepte le chèque, n'importe quelle forme d'argent. Moi, je prends. C'est vraiment beaucoup d'argent, mais j'ai besoin du service. Je veux vraiment que mes locataires m'écoutent et que tu punis cette fille. Aucun problème. Aucun problème. Ok. Waouh. Ça, c'est pour tous mes locataires. Écoutez-moi. Tout ce que je vais vous dire, tout ce que je vais vous demander, quand je vous demande de payer, vous payez sans discuter, vous payez. Je vous attache, vous m'obéissez. Oui. Hey. Waouh. Oui. Ça là, c'est pour ça. Tu vois cette concession? Tout le monde dans cette concession est dans ma main comme ça. Petit cam. Tout ce que je dis dans cette concession, vous acceptez seulement. Sophie, demain c'est demain. Maintenant c'est ton tort. Hein? Je t'ai bien dit. Je t'ai averti. Mais tu n'as pas compris. Oui, on va voir. Hey, aujourd'hui ça va cuire. Aujourd'hui c'est aujourd'hui. Aujourd'hui c'est un jour de jugement. Waouh. Yeah. Donc parce que tu manges le pain, que tu ne peux pas ouvrir la bouche pour me saluer. Bonjour, Sarah. Je ne te blâme pas. Je ne te blâme pas du tout. Pardon, donne-moi le pain, je le coupe. Et Waouh. Tu manges même le pain avec l'œuf. Tu es riche, hein? Mon vrai sien. Yeah. Oh. Je te dis que... Attends, dis-moi. D'où sors-tu avec le pain et l'œuf que tu manges tout le matin? S'arrête. Ce matin, j'ai trouvé un œuf là-bas dans le coffre qui est à côté du lit. Ah, je l'ai pris et je l'ai bouilli. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Timon! Hey! Aponko! Aponko, tu m'as tué! Aponko! Hein? Je t'ai fait quoi? Comment? Tu dis quoi? L'œuf que le marabout m'a donné! C'est ça que tu as mangé? C'est ça que quoi? Tu m'as donné à manger? Hey! Le marabout? Toi! Le marabout, comment? Pourquoi tu me poses les questions? Pourquoi tu ne m'as pas demandé avant de prendre? Regarde l'œuf que j'ai acheté à 40 000 naira. L'œuf que j'ai acheté à 40 000 naira. Que le marabout m'a vendu à 40 000 naira. Qui devait me servir à détruire Sochi. C'est ça que j'ai préparé. Et manger. Me donner aussi. Hey! Aponko. Aponko, tu m'as fini. Ma soeur, attends. Attends, je veux comprendre. Tu dis, comme nous sommes là,
Toi et moi, nos vies sont gâtées. Hey. Oh mon Dieu, hey. L'œuvre nous a tués, Seigneur. Pongo, oh, non, qu'est-ce que je t'ai fait? Qu'est-ce que je t'ai fait dans cette vie? Qu'est-ce que je t'ai fait? Hey. Bonjour. Hey. Excusez-moi. Hey. Hey. Bonjour. Excusez-moi. C'est quoi? Qu'est-ce que tu veux? S'il vous plaît, je cherche Koi Koi et Aponko. C'est bien vous? Ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident que c'est bien nous. Hein? Ponga, pardon, ne fais pas que je me lève ici pour que je te poursuive. Bon? Ça ne va pas te plaire. Donc, si tu ne sais pas ce qui t'a pris de venir dans cette maison, parle ou tu parles. Bien, je suis le maître Bala. Et j'ai un document pour vous. C'est encore quoi ça? Ce que vous tenez en main, c'est un document qui montre que cette propriété a été vendue par M. Fidelis à mon client. Monsieur Emeka Chigozie est fils Nigeria S.A. C'est ton Nigeria S.A. qui va te tuer. Hein? Regarde-moi cet homme. Qu'est-ce que tu racontes comme ça? Le père de qui? Avant du quel terrain? Oga, écoute, je vais te dire. Avant que tu n'arrives ici, nous étions déjà en colère. Ce n'est pas le bon moment comme tu peux voir. La vie n'est pas du tout rose pour nous là. Donc si ce truc est une blague, je t'en supplie. Vraiment, pour l'amour de Dieu, sors de cette concession. Mais ça veut dire quoi, ça? Ah! Je vois bien. Donc, c'est un plan, hein? Tu fais le plan jusqu'à réaliser. Tu veux m'enlever mon titre de Bayerès? Mon titre? Ça ne va jamais arriver. Ce n'est pas possible. Koi Koi. Y a quoi? Vous n'avez qu'une semaine pour évacuer cette propriété. Koi Koi. Parce que notre client a d'autres plans pour cette concession. Si vous ne le faites pas, on n'aura pas d'autre choix que d'user de toute autre force raisonnable. Quelle farce! Évacuer quoi? Évacuer quoi? Tu crois que j'ai peur du tribunal? Koi Koi. Tu crois que j'ai peur Koi, attends. De... Laisse-moi tranquille! Bigo, je suis fâchée! Ne m'appelle pas! Ne m'appelle pas! Laisse-moi tranquille! Koi Koi! J'ai lu! J'ai lu! Tu veux dire que... Tu veux dire que ce qu'il dit est vrai? C'est vrai? Koi Koi, tout est vrai! Hey! Papa a vraiment vendu cette propriété! Hey! Regarde! Arrête, arrête, Apon! Attends, ah, attends. Tu veux dire que... Tu veux dire que... Le truc-ci... Que cet homme-ci parle. Oui, c'est ça qui est... C'est vrai, vrai? Que papa a vendu ce terrain? C'est ce que tu veux dire? Oui, Koi Koi, c'est ça qui est... Tais-toi! 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 Ferme ça! Grand maître... grand maître... Pardon, hein? C'est moi, la bailleresse de cette concession. Pardon, dis-moi la vérité. C'est vrai que mon papa a tout vendu? C'est vrai? Je suis désolé, mais c'est la vérité. Vous n'avez que quelques jours pour mettre vos affaires en ordre. Ah, beaucoup, on est foutus. Je vais m'en aller. On est mort. S'il vous plaît, veuillez informer les autres locataires. Beaucoup aussi à cause de tout ça. L'œuf que le marabout m'a donné. Tu as préparé ça, tu as mangé, tu m'as donné. Maintenant, on a seulement la malchance. On a seulement la malchance. Toute cette concession a été vendue. Hey! Hey! Mon frère m'a vraiment tué. C'est mon frère qui m'a tué dans ma vie. Tais-toi! 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 Arrête de pleurer, tais-toi! C'est à cause de toi que je souffre. Mon frère m'a vraiment tué. Apu, tu m'as vraiment tué. Oh, tu m'as vraiment tué. Ah. La vie-ci est vraiment injuste, hein? Elle n'est pas vraiment juste. Waouh! J'avais bien dit à Poku que cet homme n'est pas notre papa. J'ai dit que cet homme ne nous a pas accouchés. Non! Il n'a pas compris ce que je parlais. Ok.
Je ne sais pas comment. Ça se fait qu'un homme qui a accouché, il sait qu'il a des enfants avant de mourir. Il vend toutes ses propriétés jusqu'à vendre à maison familiale alors qu'il sait qu'il a des enfants. Ah! Ah! Dieu, pardon. Je te demande un seul truc. N'accepte pas cet homme dans ton paradis. Si je vois l'homme là au paradis, hein? Ha! Papa Dieu, si je vois cet homme au ciel. Toi, d'où est-ce que tu sors? Tu sors d'où? Je te demande d'où tu sors. Tu marches comme quelqu'un qui n'a pas de direction. Est-ce que tu sais qu'on a coupé le courant avec l'eau? Tout le monde, on a la concession a pris sa route. Il n'y a pas rien. C'est Dieu. Le Dieu que je sers. C'est lui qui punira Benji, où qu'il soit. Oui! Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que Benji t'a fait? Sœurette, oublie l'autre là, moi je pars. Mon ami, parle! Parle! Qu'est-ce que Benji a fait? Parle! Cet argent était pour la voiture. Oui! Les petites sommes d'argent que je lui donnais. De garder pour qu'il m'achète la voiture. Maintenant, Benji, je ne sais quand est-ce qu'il est parti, ni même où il est allé. Oh! Tu voulais acheter une voiture? Comment? Comment ça? Tu as fait comment? Avec quel argent tu voulais acheter la voiture, hein? C'est une bourse du gouvernement. C'est ce que Benji m'a dit. Je devais payer 2 000 naira, 2 fois par semaine. Quand l'argent devait atteindre une certaine somme, le gouvernement devait compléter le reste. Maintenant, l'argent n'y est plus. La voiture, je ne vois pas. Benji, disparu. Donc c'est ça? Ah, ne te dérange pas pour ça, mon cher. C'est moi qui donnais cet argent. Ça te choque? Waouh! Bon, bon après-midi, bonjour, bonsoir. Je sais une chose dans cette vie. Il y a des nourritures que tu prépares comme ça avec tes mains, tu manges et ça te pue. Oui, quand ça te pue, ça veut pas dire que quelqu'un a mis le poison dedans. Non, c'est la personne même qui a utilisé ses mains pour s'empoisonner. Bayrej, écoute, je... Tais-toi. Je t'ai observé dans cette concession. Je t'ai bien observé. Et je sais très bien comment tu es. Si tu as l'argent là, cet argent que mon frère t'a donné, qu'il t'a donné, mets ça dans ma main maintenant qu'on parle encore là. Mets dans ma main. Tu ne veux pas mettre ça? J'ai dit, mets-moi ça dans ma main. Mets ça dans ma main. Écoute, Barish, écoute, c'est la bourse du gouvernement. Hein? On touche pas à cet argent du tout. La bourse du gouvernement. Tu vois ta vie, non? Tu sais, regarde-toi. Tu as vu ta vie? La bourse du gouvernement. Et ta vie est comme ça. Je savais que depuis que mon frère commençait à voler mon argent, je savais qu'il y avait quelqu'un derrière à l'encourager, le manipuler. Parce que je sais que mon frère n'est pas un voleur. La seule chose qu'il sait faire, c'est être bête. Si c'est pour être bête, Akpunko est bien bête. Parce qu'il ne réfléchit pas, il n'utilise pas sa tête. J'ai toujours dit que dans ce camp, cette toute petite concession, tu as le courage. Tu ne regardes même pas mes yeux. Tu as le courage de manipuler mon petit frère. Tu le trompes. Dans cette toute petite concession, je t'ai bien regardé, je t'ai étudié à la loupe. Que zam. Je t'ai bien observé. Tu ne sais pas que moi, je suis une tortue. Oui! Je vois tout ici. L'escroquerie que tu fais dans cette concession publique. Mais c'est Dieu qui va te punir. Si tu ne me remets pas tout l'argent que tu as pris, si tu ne le fais pas. Tu ne sais pas ce qui t'attend. Tu ne sais pas ce qui t'attend si tu ne me remets pas ça. Akpunko et toi, je vais vous montrer le feu à tous les deux. Comme ça, mon frère va apprendre. Je vais vous punir tous les deux. Ah, mais sœurette. Ne m'appelle pas sœurette. Ne tente même pas.
Les égaux vont travailler, se débrouiller, bosser dur pour acheter une voiture. Toi, tu as trouvé que c'est facile rester bête. Tu es bête. C'est tout ce que tu sais faire. Même l'idiot qui t'a escroqué là. J'ai récolté 1000 naira en plus. Pour que ça fasse 30 000 naira. Tout ce que tu sais faire, c'est être bête. La rusée. Ma sœur, t'es vraiment rusée. Mais alors, pourquoi tu te plains qu'il n'y a pas l'argent pour qu'on loue la maison? Si ce n'est pas l'argent que j'utilisais pour acheter les œufs, l'œuf que tu as mangé et que tu m'as donné. Jehovah Mekedeske. Ma sœur, t'es encore plus bête que moi. Hein? Pour l'œuf, combien coûte un œuf? Combien pour l'œuf? Combien? Pardon, pardon, laisse ça, c'est passé. Est-ce que tu me comprends? Je ne veux plus qu'on parle de ça. Parce que si ce n'était pas à cause de cette fille idiote là, cette chaussure, ou son nom, c'est même quoi là, elle a osé venir me fouetter dans mon rêve. Je ne serais pas allée chez le marabout. C'est moi seule qui connaît comment le truc là me fait mal. Comment la bastonnade là m'a fait dans mon corps. C'est ça qui m'a poussée. Maintenant, tu veux me blâmer pour ça. Si seulement tu connaissais ce CC. On aurait collecté l'argent et partir. Attends. Peut-être que CC veut dire commissaire au compte. CC, commissaire au compte. Commissaire au compte. Hey! Donc c'est la fille là nous a compte. Cette fille nous a hurlé. Hey, c'est donc ça. Et c'est ouh, donc ouh, ça ouh, qu'elle a utilisé pour menacer papa. C'est vrai, non? C'est donc pour ça que papa a tiqué comme si elle avait déjà payé. Commissaire, cette fille nous a escroqué. Elle nous a bien mis. Donc allez, commissaire au compte. Mais toi qui as parlé avec lui un peu là, pourquoi tu n'as pas détecté ça? Je n'ai pas songé. Mais on peut toujours vérifier. Heureusement qu'on n'a pas pris cet argent. Oui, parce que qui sait ce que tu allais encore acheter? Peut-être des œufs, ou encore plus que des œufs. Mais après tout, ce que papa a fait n'est pas bien. Il n'y a que Dieu pour le punir là-bas au ciel. Regarde-nous. Après sa mort, il nous laisse sans rien. Hey, mes sœurettes, tu sais à quoi je pense? Je suggère qu'on aille rester au village de maman. Si nous restons là-bas pour un temps, on peut gagner de l'argent. On cherche l'argent et après on pourra revenir en ville. Comme des riches pleins aux as. Le village de maman. Ce n'est pas mauvaise idée. Ce n'est pas mauvais du tout. Mais tu sais que les gens de maman ne nous aiment pas. Ils ne peuvent jamais nous aider. Ils n'ont jamais pris soin de nous. Ce n'est que papa depuis que maman est morte. Seulement papa. C'est la seule chose que cet homme a fait dans nos vies. Hein? Mais c'est mieux que rien. Si on peut essayer, on essaie. Essayons. S'il nous aide, je pourrais encore devenir bailleresse. Mais ça, c'est ton bête rêve, là. Ton bête rêve. Hein? C'est ton rêve bête qui nous a foutu dans ce genre de problème. Qu'est-ce que tu racontes? Moi, bête rêve. Si ce n'était pas ta longue bouche, là. Ta longue bouche qui mange tout, là. Celle qui a mangé l'œuf. On serait encore dans cette concession jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, je dis que mon rêve est bête. Je suis malade. C'est moi qui fais les bêtes rêves. C'est moi. Ne fais pas que... Je te casse la tête. Tu perds la tête.